Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne New Belge Activity. On est parti pour une nouvelle découverte sur un jeu mobile. En fait, c'est comme le Dragon Ball chinois Dokkan Battle, mais par à la. Mis à part que là, c'est Naruto. C'est Naruto, Shinobi, Shippuden, Mobile. Donc voici le truc hein. Au cas où le bleu c'est pour Apple et le rouge c'est pour Android. Au cas où c'est la même chose que Dragon Ball Z chinois de Game Battle, il faut l'application WeChat. Et ça c'est hein. Donc vous pouvez télécharger et comme avec Dragon Ball il faut l'application WeChat. Vous téléchargez, c'est comme si vous avez déjà Dragon Ball Z chinois Dokkan Battle. Normalement, vous avez déjà le WeChat. Il faut les deux. Hein. Maintenant, il faut les deux pour pouvoir y jouer. Une fois téléchargé, hein, au cas où tout sera dans la description, c'est comme Dragon Ball Z chinois Dokkan Battle. Donc, il faut créer un compte WeChat. Donc, je vous montre un exemple. Voilà, donc vous devez inscrire sur l'application WhatChat. Une fois c'est fait, vous laissez ouvert. Puis vous quittez. Hop, vous aurez le jeu Naruto. Deux minutes, hein, je pense que je. Voilà. Une fois que vous avez fait télécharger les deux, une fois que vous êtes inscrit sur WhatChat, vous ouvrez le logo WhatChat, qui est le vert. Vous l'ouvrez. Patientez quelques minutes. Là, vous avez. Il vous demande c'est-à-dire créer un compte avec WhatChat. Donc, il vous demande si c'est OK. Vous mettez OK. Et là, normalement, le jeu se lance. Voilà. Voilà comment ça se passe. C'est comme le Dragon Ball Z Chinois Dokkan Battle. C'est le même système. Vous l'appliquez sur WeChat. Vous vous inscrivez sur WeChat. Une fois que c'est fait, vous ouvrez le jeu. Vous cliquez sur le vert. Il vous demande de vous synchroniser le compte WeChat avec le jeu. Vous mettez OK et là, le jeu se lance. On est parti pour le découvrir. Je l'ai découvert hein, sur. C'est moi avec le jeu de Dragon Ball. Je l'ai découvert là. Donc, on va l'essayer. On va voir qu'est-ce qu'il donne. Donc, c'est Naruto Shippuden Mobile. Mettez comme ça. Ça charge. Donc voici. Ubelg. Ubelg. Donc on va découvrir ça. Hein. Hop. Nous avons un petit Naruto. Ah, ça c'est l'émission. Un système de mission, j'imagine. Deux minutes. Voilà. という人の少年が
Voilà. Attendez. Quelque chose. On va changer. En 2 minutes. Hop. Espace. Avec les boutons. Sauvegarder, confirmer. Donc X. Yes. C'est que à peu près comme Glitch Pop Tools. Ok. Vous avez pour le son? Voilà. Oh, franchement, il est bien. Il est pas dégueulasse. C'est comme à peu près Bleach Brave Tools. Il faut. Il a l'air cool. En deux, je pense qu'il y a moyen de faire partir le truc. Confirmer. Pour moi, on refait la mission. Enfin, je crois. Au moment où il se présente, bon, là j'ai besoin des boutons peut-être. Regardez, attends un petit peu. Donc c'est
Optimus. Voilà. Ok. Ah, c'est pas mal. Franchement, il est cool. Voilà. Yes. Encore. J'espère que ce sera pas un long tuto. Comme dans Dragon Ball Z, Shin Tekken Battle. Voilà. Un choc. Hop. Une souris. Il y a plusieurs styles de mission, j'imagine qu'il y a une espèce de survie. Voilà. Oh, il est très cool ce jeu. Correct. Quand j'utilise l'émulateur Nox. Très pratique cet émulateur, Yes, je suis en rang 4. Le jeu il est bien, il est beau, il est très beau. Ils apportaient quelques images, le dessin c'est pas forcément correct. Hein. Il y a certains dessins c'est pas, voilà c'est mitigé. Hein.
Mais sinon, ça va quoi. Continue. Tout n'est pas encore terminé. Donc il y a la baston. À la main. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Ok, une mission, il faut terminer avant 30 secondes, un truc ainsi. Rang 5. Un petit cadeau. Encore, hein. J'ai une tant qu'on n'a pas battu Mizuki. On continue, hein. Pour l'instant, j'ai pas encore fait d'invocation. Est-ce qu'il y a un système d'invocation ou pas? Je sais pas. J'ai une couleur après. C'est fort. T'as mis des amis.
pas te battre. Faut pas encore en fait. Et voilà. Désolé pour le son, c'est marrant. Je pense que c'est l'enregistrement qui fait ça. Rang 6. Encore? Je pense que le tuto est terminé, mais... Je pense qu'on a compris le système un peu. Merci pour le vent. Merci pour le vent. Ça continue. Ouais, on tape tout le monde. Les innocents du village. On les tabasse. En cette...
Ouais. Pourquoi? On peut améliorer les armes, apparemment. Ouais. C'est cool, hein? On y va. Avec tout terminé, hein. Moi, je vois pas le système d'invocation. J'imagine qu'il y en a une, mais c'est peut-être débloqué. Ouais. Encore un dessin, un petit peu bof. C'est vraiment des groupes. On manque qui donne des groupes. Le dessin est un petit peu moche. Le jeu est bien, mais le dessin, c'est pas, c'est bof. C'est très bof le dessin. Ouh. Voilà, ça c'est pas fini. Vraiment, faut combattre Sakura. Non, hop. Oh. Et hop, la multi. Voilà. Est-ce qu'on va affronter les deux? J'imagine. Bah oui, hein. Pourquoi pas? Attends, c'est du rivaux, hein. On t'a passé les filles. Ah, je me... Oh, putain, je me fais tapasser. Allez, on monte. On le rouge d'un coup. Bah oui. Tout dans la gueule. C'est comme ça que ça marche, les gens. Tout dans la gueule. C'est bien. Voilà. Putain, coriace, hein. Deux filles, coriace. Logiquement, ils s'attaquent pas, hein. Normalement, c'est toutes les filles, hein, qui tabassent Naruto. Bah, on a affronté que deux, hein. Heureusement, hein.
Ça permet d'améliorer Naruto. N'a pas un système d'invocation? Elle va continuer. Jamais. Hop. Franchement, le jeu est bien. Mis à part le dessin, c'est plus ou moins. Il n'y a que peut-être les dessins. C'est négatif, sinon, franchement, le jeu est très bien. Mais viens te battre, Tazuke. Comment ça se fait, t'as besoin des gens? T'as besoin d'un coup de main? Hop, 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 mon gars. Mon gars, mon gars. Go, go, mon gars. Eh oui, je t'ai surpris. Hop, hop. Go, mon gars. J'ai pas besoin de lui, il est nul. 6 fois, tu as raison. Regarde, j'ai pris de l'avance. Hein. Je vais mettre sur le Rasengan. Le multiclonage. Ah oui, je crois pas. Allez, elle monte. Hein. Voilà. C'est mal, hein? Ah oui, hein? Allez, hop. Ah oui. Voilà. Yes. Point neuf. Le système d'invocation. En fait, il faut vraiment le débloquer. Sasuke. Est-ce que c'est un personnage du début qu'on a directement? Est-ce que c'est obligé qu'on l'a? Donc c'est 180 par invocation. Et multi faut 1680. C'est beaucoup. 680. C'est pour mettre dans le groupe.
Est-ce que c'est un truc pour faire une voiture pour chaque perso? Ou il y a quand même un système nouveau? Ça c'est avec Kakashi. Ouais, comme j'ai dit, le dessin c'est un petit peu bof. Hein. Il court assez vite. Une attaque. Voilà. J'imagine. Et du tir. Yep. 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 Et attends. Il y a un blocage. Terminé. Continue un petit peu plus. Sur lui. Ok, man. Je vois rien parce que j'ai pas fait ça le long.
On va affronter Kakashi. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Est-ce que c'est un event? Oui, je pense pas. Est-ce qu'il y a un système de puzzle comme dans Dragon Ball? Ou pas? On peut gagner quand même pas mal de personnages. Donc l'ermite, Tsunade, Orochimaru, Minato, Gaara, Kakashi, Gai, Itachi. En fait, on peut gagner pas mal de personnages. J'ai des personnages rancés. Ce qu'on peut de temps en temps changer. En fait, quoi qu'il arrive, en fait, c'est un clou. Enfin, je crois. Voilà, je pense que hein. Je pense que j'ai pas assez hein, pour faire quitte invocation. Allez, je pense qu'on va terminer la mission. Je pense que je suis bientôt à la fin de cette première. 29. Je pense que c'est la dernière. Pas sûr, mais on va la faire. Comme ça, j'ai bien. Ok, si je veux, je peux changer là. Ok.
Est-ce que le niveau est le même pour tous les personnages? J'ai l'impression que oui. Si Naruto progresse, ben Sasuke est obligé de progresser automatiquement. Je vois que ça. Parce qu'il est quand même balèze. J'ai eu peu de temps et. Franchement, ce jeu est très cool. Il est très cool. C'est parti. Ah, c'est en mode automatique, mais. Je veux pas l'automatique, sinon. Combattre, moi. Il y a le mode automatique, mais. Je veux combattre moi-même. Ouais, c'est quand on fait des petits collages de lui et qui se reconnaît pas. Ceux qui ont suivi l'animé, bien sûr. Ça, c'est un petit peu la trame d'animé, hein. Un petit peu. Faut me rattraper par des coups, quoi. Je peux me faire rattraper par des coups. Et toi là, tu es en arrière là. Je t'ai pas vu là. Voilà. La super technique. Ouais, je crois que c'est la dernière. Alors, je crois. En tout cas, on le termine. On le termine là. Comme ça, ça sera bien. Franchement, il est bien. Franchement, c'est bon en fait. Et face à Kakashi. On va affronter ce chien. Donc on combat tous ces chiens. Normal. Normalement, ces chiens ils apparaissent après. C'est contre Tabuza. J'imagine quand il y a des chiens qui passent, il faut faire attention. J'ai fini mon père de la vie pour rien. Hop, hop, hop. Désolé, hein.
Et ça marche. Voilà. Est-ce que j'ai pas pu faire un ultime? Et voilà. J'ai passé l'examen. Ok, donc il y a bien un système de puzzle comme dans Dragon Ball. On peut essayer d'obtenir des personnages. Voilà. Ici, il y a aussi un système de puzzle pour obtenir le personnage. Sakura Haruno.
Je vous fais pas trop insulter. Récompense. Est-ce qu'il y a des invocations gratuites? Oui, il y a un système gratuit aussi. Donc j'imagine une fois par jour, on a droit à une invocation. On va faire ça là, hein. Terminé. Donc c'est un puzzle. On gagne aussi des objets, j'imagine, pour améliorer les personnages. J'en ai plus. Donc, il y a un autre là, mais par contre, tu l'as. B7. Donc, il y a une zone VIP. Donc, les gens qui sont VIP, il y a un système à vocation pour VIP. Par exemple, j'ai pas assez pour faire une invocation. Donc voilà. J'espère que cette découverte vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Commentez ce que vous en pensez de ce jeu. Comme d'habitude, tout est dans la description si vous jouez au jeu. Comme c'est comme à peu près comme Dragon Ball Z Shin Odok and Battle. Faut télécharger le jeu, bien sûr. Si vous avez déjà Dragon Ball Shin Odok and Battle, il y a l'application WhatChat. Vous téléchargez WhatChat. Si vous n'avez pas WhatChat, vous le téléchargez, vous inscrivez, vous le laissez ouvert. Et bien sûr, vous ouvrez le jeu dans votre. Au moins, il y a l'écran, vous appuyez sur le vert, puis le jeu va vous proposer de synchroniser le combo chat avec le Naruto. Vous mettez OK, et à ce moment-là, le jeu se lance. Comme vous pouvez voir au début de la vidéo. Donc, c'était Naruto Shippuden Mobile sur Android. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Commentez ce que vous en pensez de ce jeu et dites-moi déjà si vous jouez déjà hein, au jeu et abonnez-vous pour ne pas manquer des prochaines vidéos sur ma chaîne ou d'autres peut-être je vous ferai découvrir d'autres jeux. Je pense que je vous ferai découvrir d'autres jeux. Je pense qu'il y a quelques jeux qui sortent bientôt normalement. Peut-être que je vous ferai découvrir cela. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et à bientôt sur la chaîne YouBash Activity.